Non mais ça va, c'est qu'un vlog, reste naturel. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un petit vlog, un petit vlog et dans lequel je vais vous parler du devenir de la chaîne, mais bon, ça reste le monde de Maggie, pas de panique à bord, de toute façon, la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Mais c'était pour faire une petite annonce, alors officielle entre guillemets, puisque c'est un vlog en même temps. Mais vous saurez, en tout cas, je vais vous en toucher deux mots là tout à l'heure, après m'avoir pris mon petit déj et mon café, pour ce que je souhaite vraiment faire ici. Enfin, bref, vous savez déjà de toute façon, donc il n'y a pas de mystère. Donc là, on est dimanche et j'avais envie de vous faire un petit vlog. Je suis encore en pyjama, enfin j'ai mis mon pyjama, c'est pas le pyjama avec lequel je dors, c'est mon pyjama de maison. Il y a écrit « Let's stay in bed », en fait, restons au lit, enfin pourquoi ne pas rester au lit. J'étais partie pour rester en pyjama toute la journée, je vais voir. Donc ouais, j'avais envie de faire un petit vlog juste blabla. Je pense pas faire grand chose aujourd'hui. À part peut-être un peu de rangement, un peu de scrap, je vais voir. Mais franchement, je vais faire comme j'ai envie. Il fait un temps gris. C'est triste, hein. Et ouais, donc j'ai envie de vous faire un blabla, tout simplement. Un vlog blabla. Ça fera partie justement du devenir de ma chaîne. Dans le sens où, voilà, je vous partagerai des choses avec vous. Personnelles ou pas, mais du blabla. J'ai envie. Là, je vais aller prendre mon petit déj. Il est quoi? Il est 9h et quelques. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai bien envie de me faire un petit déjeuner healthy, comme on dit. C'est-à-dire, je vais me prendre un pamplemousse et un café. Ça va être très bien. Parce que en fait, hier... Oh, mais les paillettes, vous m'influencez, hein, comme je vous ai dit sur Facebook. Hier, je suis allée faire les courses. Alors, j'ai fait un click and collect. Vous voyez comment vous m'influencez chez Action. Le truc, c'est que je suis arrivée... Alors, pas pour le scrap, mais pour des articles, pour du... vous savez, les... Pardon. Les petites boules que je mets dans ma poubelle, c'est de la lessive, en fait. Les petites boules que je mets dans ma poubelle, j'en ai pris quelques-uns. J'avais pris de l'eau de rose pour le visage, j'avais pris un truc pour la callosité des pieds, une sorte de chaussette enveloppante, pour les pieds. Ça doit être très bien ce truc, je pense. J'avais pris quoi d'autre? J'avais pris des... Alors, quelques boîtes pour ranger. Et en fait, alors, les boîtes, elle m'a appelé hier soir, elle m'a appelé la dame en me disant « Désolée, on n'a pas cet article. » Donc, j'ai dit « Bon, bah c'est pas grave, je maintiens ma commande. » Donc, hier matin, je vais dans le magasin. Donc, effectivement, tout est bâché. C'est triste, c'est très triste. Tout le rayon scrap est bâché. Mais j'y vais et je trouve les boîtes. C'est des boîtes, en fait, sortes de bannettes. Je vous les montrerai éventuellement parce que là, elles sont là-bas derrière. Je vous les montrerai tout à l'heure peut-être. Et du coup, je les ai trouvées en magasin, donc je les ai prises. Et puis, il y avait rien en fait dans le click and collect. Il n'y avait que les trucs senteurs lessive là, que je mets dans ma poubelle. Il n'y avait que ça de dispo. Je fais ok, super. Et en rentrant chez Action, vu que Action c'est par là-bas, et quand j'arrive comme ça, là il y a mon bâtiment si vous voulez. Et là, il y a le petit Auchan. J'avais besoin d'aller faire quelques petites courses au petit Auchan pour Nuki qui a faim. Et pour moi aussi, hein, pour m'acheter à manger, des choses normales, hein, des choses classiques. Mais j'ai fait un petit tour au rayon glace. Donc, vous m'avez parlé des Magnum doubles. Alors, on m'a parlé des Magnum doubles chocolat. Moi, mon péché mignon, ce sont les Magnum doubles caramel. Ben, j'en ai acheté. Et je suis tombée devant un truc, c'était les pots Ben & Jerry, j'adore ça. Et en fait... il y avait le... Donc, ce que je connaissais pas ce parfum... C'est chocolat et vanille et avec du cookie et du brownie. Enfin, un truc de fou, quoi. Les deux en même temps, c'est... Et en fait, hier j'étais dans une situation... un état d'âme un peu particulier. Déjà, hier, c'était la date d'anniversaire de ma grand-mère maternelle, hein, qui est décédée maintenant depuis presque 5 ans, je crois. À peu près, c'est ça. Mais bon, qui me manque toujours, et je sais qu'elle est présente, elle est avec moi, j'ai une entité avec moi, c'est elle, je sais que c'est elle.
Et bah c'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu, disons, ça allait, mais bon, je me suis amusée avec la Cricket Joy, hein, ça s'est très bien passé, tout va bien. Mais j'avais un état d'âme assez particulier, un petit peu, voilà. Et quoi. Et donc, bon, bref, donc déjà à midi, en dessert, je me suis pris, comme je vous ai noté d'ailleurs sur le groupe Facebook, je me suis pris mon Magnum double caramel, je me suis régalée, c'était génial. Et dans l'après-midi, je sais pas si vous connaissez ce film, parce que c'est. Il est où le. Il est. Attendez, je vais vous montrer le. Je vais vous montrer le DVD. En fait. C'est 3. Alors en espagnol, c'est. Enfin, la traduction, c'est 3 mètres. 3 mètres au-dessus du ciel. Et le deuxième, c'est J'ai envie de toi. Le 1 et le 2 sont super. Et bah, hier après-midi, je me suis mis le 1, donc 3 mètres au-dessus du ciel. C'est un film. Vous voyez, hier en fait, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Et je sais que quand je me mets ce film, surtout le premier, je pleure, mais comme toutes les larmes de mon corps. Parce que ce film me rappelle mon premier amour. Hein, je suis restée, j'avais un chéri espagnol. Pendant moi, je suis restée avec lui pendant 5 ans. De 18 à 18, 19, 20, 21. Ouais, 5 ans, de 18 à 22 ans, j'étais avec lui. Et le gars, il lui ressemble énormément. Il lui ressemble énormément, l'acteur. Il ressemble énormément à ce garçon de qui j'étais énormément amoureuse. Je pense que c'est mon premier amour et je crois que c'est le pre... Pardon, je fais du bruit avec ça. C'est le premier vrai amour que j'ai eu dans ma vie. Enfin, le grand amour, vraiment, le truc de fou. C'était. Enfin, bref. Je sais, faut pas que je vive dans le passé, faut que je vive dans le présent. Mais comme vous savez, maintenant, je suis célibataire. Alors, c'est pas un problème pour moi, j'ai besoin d'être seule pour l'instant, j'ai pas besoin du tout d'hommes et tout, mais à chaque fois, je sais pas, j'avais envie de ça, donc je me suis mis ce film. Tout ça pour vous dire que j'ai pris le pot de Ben & Jerry's et que j'en ai mangé pas tout le pot, hein. J'ai mangé qu'un tout petit peu, hein. Le pot il est encore tout plein. Mais donc aujourd'hui, voilà comment je pars dans mes montagnes. Mais en fait, voilà, ma chaîne, ça va être plus de. Il y aura un peu plus de perso, de vlog, de spiritualité, tout ça. Enfin, je vous parle après. Je vais aller me changer, me préparer et je vous parle après de tout ça. Mais donc, hier après-midi, devant mon film que j'adore, qui me fait pleurer, mais que j'adore pleurer, je me suis pris le pot de Ben & Jerry, puis j'en ai mangé un petit peu. Donc aujourd'hui, j'ai envie. Alors, non pas parce que je fais un régime ou autre, je ne fais pas de régime, moi, jamais de régime, c'est très mauvais pour la santé, les régimes. Je mange équilibré, c'est très bien. Mais bien sûr, bah, parfois, je mange des glaces, hein, des choses. Et puis mes rondeurs, moi, je les assume. Voilà, je les assume à un certain point, je veux dire. Faut pas que ça dépasse le poids. Là, j'ai un petit peu dépassé mon poids de normal. Hein. Avec ce confinement, ça aide pas non plus. Bref, voilà comment je pars dans mes montagnes. Et donc là, je vais me faire une petite, donc un petit déj. Je vais me prendre un pamplemousse, un café. Ce midi, j'ai des betteraves, une betterave à couper. Je vais me couper la betterave. J'ai un demi-avocat que j'ai pas fini hier, du coup. Voilà, je vais manger assez équilibré aujourd'hui parce que, en fait, après moi, ça me pèse sur l'estomac. En fait, je mange. Là, c'était de manger émotionnellement, en fait, hier. L'envie de sucrer, tout ça, c'est émotionnel. Et donc voilà. Ça raconte sa vie, hein. Donc là, je vais aller me faire mon petit déjeuner, me débarbouiller, toilette du chat, tout ça. J'avais envie de rester en pyjama toute la journée, mais non, je ne vais pas rester en pyjama toute la journée. Non. Et bah, je reviens. Je reviens tout de suite. Voilà, un petit peu plus présentable, hein. J'ai juste mis mon legging que je mets chez moi. Un petit haut confortable, mais plutôt, voilà, ça présente mieux hein, qu'un haut de pyjama. Honnêtement, hein, je voulais rester en pyjama aujourd'hui,
Mais j'ai eu comme un élan d'énergie qui, je me suis dit non, te laisse pas aller, allez, vas-y. Donc je vais faire un petit. Bon, c'est quoi, on est dans ma salle de bain, donc je vais aller me poser là-bas et j'arrive. Hein. Bon, on est mieux ici quand même. Donc, alors avant tout, oui, je vous ai dit que j'allais vous parler dans ce vlog de devenir de la chaîne, mais finalement, je vais le faire dans une petite vidéo que je vais mettre en ligne tout de suite dans l'après-midi, aujourd'hui dimanche, pour annoncer aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, mais qui sont peut-être pas forcément adeptes des vlogs et des vidéos blabla. Je préfère le faire à part. Comme ça, au moins, je suis sûre que tout le monde sera à peu près au courant pour pas qu'on soit étonné après de voir des vidéos autres que le scrap sur ma chaîne. Après tout, c'est le monde de Maggie. Donc, le monde de Maggie restera le monde de Maggie. Eh ben oui. Donc, je vais faire ça tout de suite après, là. Ouais, avant manger. Comme ça, ce sera fait. Ou après, je verrai. Bon, peu importe. Peu importe. Donc, voilà pour la petite annonce qui va pas être faite ici, du coup. Après, je sais que la plupart des paillettes est déjà au courant que voilà, que je vais. Que la chaîne va être un petit peu plus variée, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Et ah, je vous ai pas montré, je me suis amusée avec la Cricut hier soir, oui, parce que non, mais moi j'arrête pas. Quand j'ai un truc, un nouveau joujou, puis là j'ai découvert des petites choses. Alors oui, je maîtrise pas forcément tout. Je pense qu'il y a des. Le découper et découper, le dessiner et découper, je pense qu'il faut pas faire toutes ces manœuvres comme m'a dit une paillette. Effectivement, c'est certainement le cas. Hein. Moi, je maîtrise pas, donc je fais à ma sauce. Je lis pas les notices. J'ai regardé quelques tutos. J'ai pas tout compris. La plupart, ils sont en anglais. Donc, je fais du moment que ça coupe et que ça dessine. Du moment que j'ai le résultat obtenu, moi, ça me va très bien. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait des petites choses sympas. Alors, j'ai fait des cœurs. Des cœurs. Ils sont où, mes cœurs? Voilà. Alors, j'ai fait des cœurs. Donc, j'ai fait un grand rose. C'est de l'acétate. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai trouvé une pochette d'acétate colorée. Je voulais vous la montrer après. Donc, j'ai fait ce cœur rose, ce cœur bleu, ce cœur bleu, cette étoile bleue. Et j'ai fait une libellule qui s'est cassée. Mais c'est pas trop grave. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. C'est pas trop grave. Alors ça, c'est le papier d'acétate, justement. Là, il y a une aile qui s'est cassée, là. Mais vous voyez, quand je l'utiliserai, je pourrais la mettre éventuellement comme ça, cachée. Ça peut le faire. Donc, c'était difficile de découper. Alors, cet acétate, c'est une pochette X-Cut. Feuille d'acétate colorée A5. Donc, c'est bien de l'acétate. Je me suis demandé au début si c'était pas plutôt du plastique ou un truc plus dur. Parce que c'est très difficile à découper. J'ai passé la machine 5 fois dessus pour que je puisse le détacher du truc. Donc c'est. Je vais peiner, je pense, à faire des découpes avec. Mais je ferai pas. Il ne faut pas faire des découpes trop compliquées. Voilà. Mais bon, c'est quand même sympa. C'est super sympa. Et ouais. Donc je vais. Bon. Je vais aller faire l'annonce. Pour la chaîne tout de suite. Je vais aller manger. Et puis je vais vous montrer ce chat-là. Mais regardez-moi, je vous le montre. Il est trop mignon. Je vous le mets juste là, là. Je vais le filmer tout de suite et je vais vous le mettre juste là. Qu'est-ce qu'il est choupinou. Je craque. En ce moment, il est adorable. Il est trop chou. Bon, je reviens. Elle est big, hein. Je me prends un petit peu de thé, enfin de thé glacé là, à l'Arizona. Bah sinon c'est cool, j'ai fait les annonces pour les deux chaînes. L'autre chaîne, j'ai supprimé les vidéos. Quelques-unes, je les ai mises en privé. Et finalement, l'autre chaîne, je la laisse en suspens. Ce sera une chaîne sans contenu. Juste parce que, comment dire, on ne sait jamais si un jour je me dis, je veux faire une chaîne que axée sur cette spiritualité en question qui est en moi. Je verrai, mais pour l'instant, on va faire comme ça. On va laisser tout ici. Ouais.
tout ici. Parce que le monde de Maggie, bah, c'est le monde de Maggie. Voilà. C'est tout un monde et c'est le mien et je pense que c'est le plus simple. Bon. J'ai tout dit tout à l'heure, je vais pas me répéter à nouveau, ça fait genre la nana qui radote. Je radote moi? Mais je radote pas. Donc là, il est 17h passées. Je vais finir. J'essaie de finaliser le colis pour Claire, les aventures scrap de Claire, parce qu'on se fait un échange toutes les deux. Elle a déjà envoyé le sien et moi, j'ai toujours pas envoyé le mien. Je finis de faire des emballages et j'espère l'envoyer cette semaine. Je vais l'envoyer cette semaine. Je vais l'envoyer cette semaine. Oui. Voilà. Si on dit j'espère, c'est qu'on espère, mais moi, je suis sûre que je vais aller le déposer au Mondial Relais cette semaine. J'en suis sûre. Voilà, il faut être confiant, il faut être dans la vie, il faut être confiant, il faut être positif, il faut y croire. Et tant qu'on y croit, on y arrive. You can do it. Nike avait raison, you can do it. Bon, je reviens, je vais finir un petit peu ce que je dois terminer et je reviens. Mais oui. Bon, mes paillettes, la journée s'achève, le vlog aussi. Enfin, s'achève, j'exagère. Non, c'était pour faire joli. La journée s'achève, le vlog aussi. Là, je suis dans la chambre, j'étais en train de ranger du linge. Enfin, j'ai fini de ranger du linge. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire, sauf finir mon rangement. Ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais enfin le terminer, mais bon, c'est pas bien grave, ça avance quand même. Donc, je vais vous laisser là. Hein. Il est plus de 19h, donc je vais voir si je vais regarder quelques petites vidéos sur YouTube. J'ai vu hier, alors, enfin, un truc de fou. J'ai une idée que j'ai depuis un moment, qui fait des tours dans ma tête parce que comment je vais, est-ce que je fais ci, ça, ça. Et hier soir, je regarde la vidéo de mon amie, ben, mon amie espagnole, hein, et je dis, mais c'est dingue, hein. Elle a eu la même idée, enfin, on a la même idée, moi je l'ai depuis un moment, je sais pas depuis quand elle l'a l'idée. Elle m'a dit qu'elle l'a eu, elle a reçu, enfin, je vous en parlerai quand je vous présenterai ce dont je vous parle là. Ce sera plus simple, c'est assez rigolo. Mais bref, un truc qui pourrait être sympa pour vous comme pour moi. Un truc qu'on va faire ensemble. On va faire une sorte de. Comme un challenge. Vous voyez, le challenge qu'il y a en ce moment sur les poupettes, là, de Hollandcrat. Bah, je vais faire une sorte de challenge comme ça. Enfin, pas du tout le même thème, hein, mais on va voir. On va voir. Voilà. Je vous mets l'eau à la bouche. Mais je vous dis rien pour l'instant. Je devais vous dire quoi? Bah rien. Je crois que c'est bon, j'ai fini. Donc je vais vous laisser là. Hein. J'aime pas le dimanche soir. J'ai horreur des dimanches soirs. Donc je vois déjà dans les commentaires que ça va, ça les gens comprennent bien. Et je vois aussi qu'il y a des gens qui sont. Comme on dit, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Les rencontres, elles sont pas là par hasard. On met les bonnes personnes sur votre chemin et ça, c'est assez drôle. C'est assez dingue même. Plutôt que drôle, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vais vous laisser là. Donc, comme je vous dis, j'aime pas le dimanche soir. Demain, on bosse. Enfin, en tout cas, moi, je bosse. Bon, en télétravail, donc je ne me plains pas. Franchement, c'est génial le télétravail. C'est tranquille. On bosse quand même, hein, faut pas croire. Hein. Et je souhaite bon courage à toutes les personnes qui travaillent demain, qui entament la semaine, comme la plupart des gens. Et je vous kiffe. Je vous dis à très très vite. Et prenez soin de vous. Important quand même, un peu, ouais. Allez, ciao ciao, à très très vite. Je vous kiffe.